Un violent orage a causé d'importants dégâts sur le site de l'aéroport international La mine Diabaté d'Odienne au nord du pays, apprend Coacide d'une note de la Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologue, Sodexam. Cet incident s'est produit dans la nuit du jeudi 31 mars au vendredi 1er avril 2022, précise-t-on. Selon l'assaut d'Exam, cet orage, d'une intensité de rafale atteignant au maximum 75 km/h, survient à la suite d'une série d'orages survenus les 21, 22, 23 et 25 mars et celui survenu dans la nuit du lundi 27 au lundi 28 mars 2022. Il a endommagé le bâtiment abritant l'aérogare et certaines installations aux alentours. Heureusement, aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Cliquez pour agrandir l'image. Les équipes de la Sodexam ont annoncé être à pied d'œuvre en vue d'assurer la continuité des services et le fonctionnement normal de l'aéroport d'Odienné qui reste ouvert à la circulation. Et une violente orage a causé d'importants dégâts sur le site de l'aéroport international la mine Diabaté d'Odiené au nord du pays. Apprend Coacide, une note de la société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologue, Sodexam. Cet incidence est produit dans la nuit du jeudi 31 mars au vendredi 1er avril 2022, précise-t-on. Selon l'assaut d'Exam, cet orage, d'une intensité de rafale atteignant au maximum 75 km/h, survient à la suite d'une série d'orages survenus les 21, 22, 23 et 25 mars et celui survenu dans la nuit du lundi 27 au lundi 28 mars 2022. Il a endommagé le bâtiment abritant l'aérogare et certaines installations aux alentours. Heureusement, aucune perte en vie humaine est à déplorer. Cliquez pour agrandir l'image. Les équipes de l'assaut d'Exam ont annoncé être à pied d'œuvre en vue d'assurer la continuité des services et le fonctionnement normal de l'aéroport d'Odéné qui reste ouvert à la circulation.